この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Et c'est tout, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour jouer à Gran Turismo 4 Prologue, la version intermédiaire entre le Gran Turismo 4 final et le Gran Turismo 3 qui était sorti en 2001. Alors, c'est un jeu auquel je n'ai jamais joué, concrètement. Voilà, autant j'ai fait beaucoup de Gran Turismo dans ma vie, autant celui-là je ne l'ai pas touché. Faut dire qu'à l'époque je trouvais le concept un petit peu bizarre de se dire d'aller payer pour un jeu qui n'était pas complet. Alors certes c'était un aperçu, le jeu n'était pas vendu 70€ ou 70 francs, enfin c'était un peu moins cher, mais même avec ça, le côté incomplet me saoulait au point le plus haut. Du coup, on va quand même regarder ce jeu, évidemment, parce qu'il fait partie de la série des Gran Turismo. Il n'est pas sans bonne idée, sans bonne chose, vous allez voir. Donc on a plusieurs modes, on a un mode entraînement, mode arcade, un mode de... Bon, pour sauvegarder, charger, les options. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est un petit peu un hybride entre un Gran Turismo 3 et un Gran Turismo 4, puisqu'il y a des éléments du 3 qui sont conservés, des choses qui sont... entre les deux qui n'existent pas, donc qui ont vraiment été faits spécifiquement pour le prologue, et des choses qui sont qui seront implémentées dans le 4 totalement. On va aller voir le menu options déjà. Vous allez voir qu'au niveau du son, c'est pas la même chose. Et c'est des sons qui sont même pas utilisés dans le 3, et des fois même pas dans le 4 non plus. Alors au niveau du format de l'écran, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le 4 tiers, évidemment, parce qu'on est en 4 tiers. Musique d'ambiance de la rediff, on va laisser ça par défaut. Sauvegarde automatique, on va mettre non parce que je n'ai pas mis de carte mémoire. Fonction de vibration, oui, ça pour l'instant on va le laisser. Et on peut utiliser le volant GT Force. Et vous voyez, niveau d'interface, déjà par rapport à la version 4, c'est un peu un hybride. Hein. C'est-à-dire qu'on a gardé un peu le côté orange qui était très présent dans le 3. Et par contre, c'est un petit peu moins sommaire que le 4 qui est très très gris dans son interface. Donc c'est vraiment un hybride. Et vous allez voir qu'à certains passages où c'est plus du Gran Turismo 4 que d'autres, c'est un peu particulier. Alors du coup, on va faire en amont entraînement. Bon, on va commencer peut-être pas par ça, on va commencer par mode arcade pour voir déjà qu'est-ce qui était disponible dans le jeu de manière basique. Alors, on peut jouer donc mode arcade, on peut voir les options. On va voir les options du mode arcade d'ailleurs, tant qu'à faire. Ah oui, là pardon, je n'ai pas trop parlé, mais aussi
On peut avoir des voitures adverses pour Tsukuba, Fuji et Network, par exemple. On peut voir la difficulté de la voiture adverse. Et on peut mettre en facile, difficile ou pro. Franchement, je vais mettre pro difficile pour commencer. On va faire. Enfin, on va mettre, pour moi, c'est normal le mot difficile, je pense. Parce que là, difficile et pro, quand t'as trop de niveau de difficulté, le difficile en général, c'est le mode intermédiaire. Donc, on va faire directement jouer et découvrir ce Gran Turismo 4 Prologue. Et déjà, au niveau de la musique derrière, vous l'entendez, c'est la musique du 3. Alors, on a un nouveau circuit qui est présent, c'est-à-dire Tsukuba. D'ailleurs, ce ne sont que des nouveaux circuits que vous avez dans cette version Prologue. Au moins, ils ont été logiques, hein, quitte à présenter le Gran Turismo 4 en avant. On te montre les nouveautés. Et donc, du coup, on a le circuit de Tsukuba, qui est un circuit réel, hein, d'ailleurs, au passage. On a le Grand Prix de New York. Alors, ça n'a jamais existé, mais ça aurait pu très bien exister, puisqu'on emprunte des rues qui existent vraiment à New York. Ensuite, on a le Grand Canyon. Alors, le Grand Canyon doit exister, je pense. Par contre, un circuit autour du Grand Canyon, non. Je me souviens que, d'ailleurs, cette version Grand Canyon était quand même pas. Quand il y avait les démos à l'époque, hein, avant de passer au Gran Turismo 4 et avant le prologue, les vidéos qui ont été le plus souvent montrées par rapport au jeu, c'était ce circuit avec le mode rallye. Et franchement, à l'époque, on était déjà sur le cul quand on voyait Gran Turismo 3. Et quand on a vu ça, ce Gran Turismo prologue, hein, même pour penser pour le 4, on s'est dit, oh mon dieu, ça va être une tuerie. Et on s'est pas trompé, puisque Gran Turismo 4, d'une certaine manière, est un des meilleurs Gran Turismo de la série. On a ensuite le Fuji Speedway, donc déjà un peu plus classique, mais c'est surtout là où on a pu voir que la colorimétrie du jeu se rapprochait du 4. C'est-à-dire que le 3 avait tendance à avoir beaucoup d'effets de blur, beaucoup d'effets de chaleur, d'effets de. Après, il fait très chaud dans Gran Turismo 3, alors que là, dans le 4, on a des couleurs un peu plus tamisées, un peu plus réelles, un peu plus grises. Et donc on a conservé ça et ça se voit beaucoup sur Fuji Speedway. Et enfin le Cité d'Aria, donc un circuit disponible à la fin. Circuit très complexe hein, en Sicile je crois, il me semble que c'est ça. Ils appellent ça le circuit de la ville italienne, bon pourquoi pas. On va voir s'il y a peut-être des différences avec la version finale. Je ne serais peut-être pas capable de vous dire les versions, la différence, parce que ça passe jouer à grand chose. C'est sûr que j'ai pas trop. Enfin j'ai plus trop de souvenirs. Mais écoutez, on va commencer par le tout premier. On va faire le Tsukuba Circuit. Et regardez l'interface déjà, qui, pareil, hein, à mi-chemin entre le 3 et le 4. Et c'est une interface que j'adore, mais enfin, je sais pas pourquoi, c'est juste un goût personnel. Mais je la trouve trop bien cette interface. Franchement, on a l'impression d'avoir les petites billes de couleurs, mélange un peu de transparence. C'est. Je sais pas, je la trouve très simpliste à la fois et super classe de l'autre côté. Alors, on a comme voiture, on a une 240 ZG, déjà qui n'était pas dans Gran Turismo 3. Je crois qu'il y a beaucoup de voitures qui ne sont pas dans Gran Turismo 3 d'ailleurs. La Odyssey n'y était pas non plus. On a la Civic KSR, ça par contre elle y était. Enfin, peut-être pas dans cette version exacte, hein, mais elle y était. On a la Skyline coupée. Alors je ne peux pas changer, vous avez vu, je ne peux pas modifier la couleur. En fait, je vais pouvoir la modifier que ensuite. C'est un peu particulier. Enfin, pour le faire dans le 4, c'est pareil d'ailleurs. On ne peut plus faire le haut bas pour changer la couleur à la volée. Ça, c'est un petit peu une régression, je trouve, parce que c'était quand même plus sympa de pouvoir voir les couleurs directement. On a l'Integra type R 90 spec. Bon, je sais pas s'il était vraiment dans le 3, enfin en tout cas dans cette version-là. On a Legacy Touring Wagon GTB spec B. La MR2 GTS. On a une Skyline GTR V spec 2 spécification Nürburgring. Nürburgring qui fera d'ailleurs son apparition dans le 4. On a l'Evolution 7 GSR, donc ça c'est juste l'Evolution 8 par le GSR. Elle n'était pas dans le 3, hein, par contre, ça là évidemment, puisqu'on gagne dans les années, on est en 2004 déjà, donc il y a des nouvelles voitures qui sont sorties. La WRX STI version 6, d'accord. L'Evolution 4 Rally Car, ça il était déjà. D'ailleurs, je me rends compte d'un truc, la version Monte Carlo, et on voit même Mäkinen Arjani, je sais plus si on le voyait dans la version Gran Turismo 3, j'ai pas l'impression. La Celica GT4 classique aussi, mais je sais plus si elle était par contre dans le 3, j'ai plus l'impression. Et enfin, on a la Kusabi, ça c'est un prototype, Mazda. Et vous pouvez voir qu'on n'a pas toutes les voitures, hein, puisqu'on a une partie qui ne s'affiche pas à droite, mais qu'on doit pouvoir débloquer en mode entraînement. Je ne sais pas ce qu'on pourrait prendre comme voiture, bah, tu vas prendre une petite MR2. Et voilà, ici on peut choisir les couleurs. Et regardez, même les petites billes de couleurs, je trouve ça mignon. On va la mettre en violette.
Alors, est-ce que je fais un scandale avec tout le monde ou pas? Non, on va prendre un vieux classique, on va prendre. Bah non, mais la violette c'est une couleur. Oh, j'en sais rien. Bon, peu importe, on va la prendre en orange. Alors, on a le choix entre l'auto manuel, je suis assez classique, conduite assistée, non, bien sûr, s'il vous plaît. Et type de pneu, route, sport, normal. Je vais mettre normal, alors route, ben voilà, c'est pneu de tous les jours. Sport, un peu course, et normal. Je vois pas ce que c'est normal en fait. La variante entre le mode course et le mode pas course, c'est pas normal. Enfin, il n'existe pas cette variante en fait. Alors, on a là par exemple, c'est la musique du 3 toujours. Par contre, vous voyez que les petites interfaces ont changé en bas, et c'est un petit peu l'interface qui sera conservée dans le 4 au niveau des icônes. Donc, on va commencer tout de suite. 10 minutes après, on roule à peine. Alors, sur le circuit de Tsukuba, qui a été d'ailleurs très très bien modélisé pour l'époque. Voilà. Alors, ce qui va être intéressant, je vais vous montrer déjà, on a un petit changement au niveau des vues. Souvenez-vous que dans le 3, on avait une vue donc au ras du sol, on avait une vue de derrière. Et puis c'est tout, il n'y avait que ça. Dans Gran Turismo 4, vous avez une caméra qui était en fait une vue au niveau du capot, qui était rajoutée du coup à la place, enfin, qui était mise en plus. Et dans celui-là, je vais vous montrer ce qu'ils ont choisi comme vue. Celle-là. Et celle-là, elle est très très bizarre parce qu'en fait, elle est collée à la voiture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de balancement. Comment dire? C'est pas une caméra dynamique. C'est une caméra statique, ce qui fait que ça bouge en même temps que la voiture. Et c'est assez particulier parce que quand je tourne, en fait, ça y a pas d'effet progressif en fait quand je tourne. Vous voyez, ça va directement droite gauche, c'est assez particulier. Par contre, cette vue, je la trouve excellente et je trouve dommage qu'il ait pas gardé quoi. Enfin, ils auraient pu dans Gran Turismo 4 garder cette vue en plus de l'autre vue capot, ça aurait été sympa. Et en plus, c'est vraiment parfait pour avoir les bonnes trajectoires, pour pouvoir voir devant soi. Enfin, c'est quand même une vue quand même ultra quali quand on veut faire des bonnes trajectoires. Après, vous allez me dire, ouais, mais t'as aussi cette vue-là qui est encore plus propre. Certes. Et comme on n'avait pas encore la vue cockpit, pour moi, je trouve que c'est une vue qui est pas mal. Alors, on fait un petit tour. L'évolution avec Gran Turismo 4 et Gran Turismo 3, ça se situe évidemment aussi sur le maniement. Il faut savoir que Gran Turismo 3, par rapport à Gran Turismo 2, il n'y a pas beaucoup de différence en termes de maniement. Ça reste très très arcade. Ça glisse un peu de partout. Ça glisse un peu de partout, mais il y a un grip qui est assez fort. Et ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'à partir de Gran Turismo 4, en fait, ils ont un petit peu désactivé par défaut les trucs qui gèrent le traction control, donc le contrôle de traction. Ce qui fait que les voitures sont un peu plus compliquées à conduire. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Alors qu'on change un peu de vue pour vous montrer un peu. Il n'y a pas que ça. On a aussi le fait que les freinages ont été vraiment changés au niveau de la physique. Et ça a été impressionnant. La première fois que vous avez lancé Gran Turismo 4 en général, vous avez fait le test de freinage, le test classique. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'en fait, oh my god, mais en fait, ils ont vraiment amélioré le manabilité en fait. Ils se sont penchés là-dessus. Et le point de freinage est beaucoup plus difficile à trouver. C'est vraiment. Ils ont augmenté le réalisme en fait à ce niveau-là. Alors on est en mode arcade, vous avez vu, mais c'est pas un mode course. Je suis tout seul en fait. Il faut que j'aille dans les options pour rajouter des voitures. Alors je vais faire le mode ralenti, qui est toujours aussi sympa. Hein, voilà. Je sais pas si on a des modes différents. Là je fais X, là j'ai plusieurs choix, là je dois pouvoir peut-être. Ah voilà, là j'affiche le logo, là j'affiche le HUD, on en parlera après. Là on affiche la pédale d'accélération ou du freinage. Donc on peut voir, ben là quand j'ai freiné, hop là, le petit coup sur le rouge. Et si je fais start, je reviens en arrière. On a les meilleurs tours, le ralenti, retour. Bon, ça c'est du classique, hein. Si vous avez joué à Gran Turismo 3 ou au 4, c'est pareil. On va revenir dans les options. On va d'ailleurs rajouter des voitures. On va faire voiture adverse, voilà, on va faire confirmer. Et on va faire retour. On va voir les autres circuits derrière. Après, on fera le mode évidemment entraînement qui nous permettra de débloquer des choses. Donc, on va faire jouer. On avait donc le circuit de New York qui était débloqué. Ce que je vous propose, c'est qu'on va pas faire celui-là tout de suite. On va faire le Grand Canyon. On va mettre une voiture entre nous. Et vous pouvez voir que toutes les voitures ne sont pas disponibles dans ce mode. Par exemple, on peut pas utiliser la Odyssey, on peut pas utiliser la Civia, j'ai l'impression. Il y a quelques voitures qui sont bloquées.
Et je crois que dans le 4, en fait, il y a plus ce problème-là, puisqu'on peut acheter des pneus rallye qui font que bah, n'importe quelle voiture, en fait, peut faire des courses de rallye. Mais c'est à vérifier, hein, j'ai plus trop le souvenir de ça. Bah écoutez, vu qu'on est en mode rallye, on va prendre directement une voiture en conséquence. Je pense qu'on va prendre... bon, une Subaru, pourquoi pas. Allez, une petite Subaru de rallye. En version 5. Elle est même pas en bleu, ça c'est dommage. Bon bah écoutez, on va la prendre en gris métal. On va enlever la conduite assistée, le type de pneu, évidemment on va pas le changer. Et on va attendre du coup le chargement. Le chargement est plutôt rapide aussi, ça c'est toujours bien. Et regardez déjà pour l'époque, c'était assez exceptionnel. Alors là c'est pas forcément la version finale du circuit, mais on peut voir qu'on a les spectateurs hein, sur le côté qui bougent. Et on va faire jouer. Ouais, tous les spectateurs, enfin en tout cas une grande partie des spectateurs sur le côté sont en 3D et d'autres sont en 2 dimensions. Vous allez voir, ça glisse énormément, hein, on est sur le rallye. C'est pareil, hein, le mode rallye était totalement repensé enfin en termes de maniement par rapport au 2 et au 3. Là on a vraiment une voiture qui glisse, certes, elle glisse toujours autant. Mais là il faut vraiment beaucoup plus la maîtriser. Vous voyez, la glisse est quand même beaucoup plus prononcée. Hein. Il faut vraiment gérer la accélération, c'est pas évident. Et donc voilà, c'était le circuit qui avait fait à l'époque parler de lui, mais en bien hein, concrètement. Oui, on a même des spectateurs au milieu qui prennent. Et je pars en tête à queue. On a même un spectateur qui part au milieu de la piste pour prendre en photo. Regardez, il est juste devant nous. Hop, il va s'écarter. Et ça, à l'époque, c'était super impressionnant. Parce qu'on avait les graphismes du jeu qui étaient déjà super pour l'époque. Et en plus, on avait toute cette foule en même temps qui apparaissait. Regardez, c'était vraiment super bien fait. Alors après, premier reproche de ce mode, c'est que le mode rallye dans Gran Turismo, ça a jamais été exceptionnel. C'est-à-dire que c'était joli. On allait sur des beaux circuits, le maniement, bon, très arcade, mais bon, très sympathique. En revanche, voilà, c'était au niveau des collisions, au niveau de l'intérêt en fait du mode rallye dans Gran Turismo, jusqu'au 4 ça allait. Mais une fois qu'on est passé au 5, 6, etc., c'était vraiment n'importe quoi. Ça ne servait à rien. Le mode rallye n'avait pas évolué et il était vraiment, vraiment bidon. Alors il y a quelques évolutions dans Gran Turismo 5, mais une fois qu'on est passé après au 6, etc., ça avait plus... c'était totalement outdated, enfin, n'importe quel jeu de rallye à côté faisait mieux, quoi. Donc là, on découvre ce circuit qui est plutôt long, hein. En plus, il y a 3 tours à faire, on va pas forcément faire les 3 tours, mais... Je vais vous mettre la vue un petit peu à l'intérieur. On a la gestion des vibrations, toujours, hein, qui est bien, bien gérée, voilà, quand je tape le sol, même quand je suis sur en dérapage, j'ai le... jamais qui commence à se mettre à vibrer d'un coup. Voilà, il faut prendre des cordes, etc. Ça, c'est le genre de circuit qui est quand même assez compliqué à gérer. Si on a ça au permis. je sais plus s'il est d'ailleurs au permis, il me semble que oui. Voilà, peut-être bien maîtriser la Subaru. La Subaru qui a un bon bruit, hein, d'ailleurs, au passage, au niveau des sons. Il y a eu quelques améliorations de fait de certains modèles. Par contre, c'est un jeu où il y a énormément de voitures, mais non, pas toutes des sons. Enfin, je parle du 4 en fait, hein, je parle pas forcément de Prologue. Mais les sons ne sont pas forcément tous les vrais sons. Ce sont des sons qui sont réutilisés sur beaucoup de voitures. C'est un petit peu dommage. Donc là, voilà, on va arriver par là. C'est pas mal, hein, franchement, il est vraiment, vraiment super bien fait. Hein. Alors, ce qui est un petit peu dommage, voilà, qu'on va pouvoir regretter, c'est que bah, y a toujours pas le système de salissure sur les voitures. Typiquement, là, on est sur du... J'ai vraiment du mal. Hein. Vous l'aurez compris. Là, par exemple... Oui, la Fabrice, elle bouge pas. On pourrait avoir par exemple des salissures sur l'arrière de la voiture. Ne serait-ce qu'elle se salisse, hein. Je dis pas qu'il y a des dégâts. Mais au moins qu'à la fin elle soit toute marron, ou j'en sais rien. Ça, ils l'ont pas intégré. Et je sais pas s'ils l'ont intégré. J'ai pas souvenir qu'il l'a intégré non plus dans les 5, dans les 6. Hein. Je crois pas que ça y soit. Je sais que dans le 5, ils ont par exemple rajouté les dégâts, qui étaient d'ailleurs ultra mal faits. Mais dans le. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression qu'ils aient rajouté les salissures sur les voitures. On va quitter la partie, on va faire retour, et je vous montrer le mode entraînement. Voilà, donc quelques améliorations, en tout cas en termes du maniement, en termes graphiques aussi. Mais ce n'est pas parfait, on va faire quitter. Et je vous propose de faire ce fameux mode entraînement. On a dit qu'on a que ça, hein, on a rediffusion si on veut revoir des choses. Donc le mode entraînement.
Et on a tout ça. Donc vous pouvez voir que bah, il y a pas mal de choses à faire, mine de rien. On a par exemple. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Ah, ça, c'est les statues. D'accord. Donc en fait, on nous affiche ce qu'on a réussi. Alors j'imagine que c'est un petit peu le niveau de difficulté. Puisque vert, vert, orange, bleu, rouge. Ah non, peut-être pas. Je sais pas. Alors, phare suivant. Donc on va faire les bases du braquage 1. Donc la première expérience de la course commence sur un circuit pour débutants. Et on aura du coup une. Je crois que c'est une Mazda, j'ai l'impression. Et on doit faire donc. Enfin participer. Les petits chargements aussi, loading en bleu, bon ça va changer derrière. Bienvenue à la première leçon de Gran Turismo 4 Prologue. Cette leçon se déroule sur le Beginner's Course du Driving Park, un circuit compact conçu pour l'entraînement à la compétition. Elle consiste à faire deux tours tranquilles. Le moteur de la voiture a été bridé pour limiter sa vitesse à 50 km/h. La limite de temps est très large et vous avez donc l'occasion de conduire posément sans trop vous préoccuper du temps restant ou de votre vitesse. Vous devez néanmoins vous concentrer pour rester sur la piste. Assurez-vous que c'est bien le cas, même si pour cela vous devez conduire lentement. Si vous sortez de la piste, vous serez disqualifié. Conduisez comme si c'était une promenade dominicale. Vous verrez une ligne affichée sur la route indiquant la trajectoire parfaite. Si vous suivez la ligne de course, vous pourrez vous habituer à retrouver cette technique indispensable en compétition. Tout en conduisant, examinez les caractéristiques de cette trajectoire idéale. Surveillez le timing et la sévérité des virages. Et apprenez à les négocier sans que la voiture parte en tête à queue. Votre braquage devrait être progressif et minimal. Bon courage pour cette leçon. Alors là, je m'y attendais absolument pas. C'est la première fois que j'entends un son, enfin une voix quoi, dans Gran Turismo. C'est exceptionnel, c'est la première fois ça. Et surtout qu'ils l'ont pas conservé après. Je sais pas si c'est quelque chose qui a pas plu aux joueurs, les retours ont pas été convaincants. Parce que concrètement, là, le speech est bon, quoi. Enfin, il est pas mal. Et j'explique bien ce qu'il faut faire. Donc, du coup, bah, on va faire jouer. Donc, on va être bridé à 50. Hein. Donc, ça va être super, super passionnant, vous allez voir. Oh, purée. C'est ignoble. Oh là là. Bon, bah écoutez, c'est parti. On va faire le tour du Driving Park. Donc ça aussi c'est un nouveau circuit hein, qui sera présent d'ailleurs dans le 4 à la suite. Regardez-moi ça. Bon, on est à 50. Écoutez, on peut profiter du paysage. Regardez autour de vous. Non, franchement, je m'attendais pas à ça. Le coup de la voix sur l'explication avant la leçon. Pour moi, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. En plus, la voix va très bien. Enfin, c'est voilà, ça n'est pas on n'est pas sur Crash FM quoi. Donc c'est parfait. Donc là, bah, on va suivre le circuit. Bon, on a 50. Je sais même pas si on va avoir besoin de freiner. Sincèrement, bah, j'ai pas l'impression. Ah, mais non, en plus, je suis bête puisque regardez, on voit le tracé, il n'y a même pas de virage. Donc on doit faire le tour en. Deux tours, ok, 55. En 1,47, 1,48. J'ai pas l'impression qu'on va freiner une seule fois. Hein. Franchement, ouais, c'est super long. Et je pense évidemment qu'on va débloquer certaines voitures. Le fait de réussir certaines missions. Waouh, imaginez la même chose sur pas le complex ring, sur le circuit ovale ultra long là. Sur 50 tours, bridé à 50. Ah, j'ai pas fait gaffe, ils ont mis le Driving Park, enfin ils ont mis le logo Driving Park sur le. Bon bah là je vais carrément sur la trajectoire, donc s'ils me disent sur le Vibra, on va sur le Vibra. Alors on va finir le tour. Bon, mon dieu, je. Heureusement que ça, ils l'ont pas gardé dans le 4 et ils ont bien fait, hein, parce que. Et le pire dans l'histoire, c'est que je n'ai même pas eu le. Je n'ai même pas eu le l'argent ni l'or, quoi. Impressionnant. Alors, du coup. Alors, attendez, c'est bizarre quand même. On rentre notre nom comme ça? Attendez, je vérifie quand même. Ok. Ouais, on va valider. Ah bah en plus, que 3 lettres. Hein. Désolé pour ceux qui, voilà, qui ont eu un plus long. Bon, que 3 lettres. Bon, bah écoutez, c'était spécial. On va dire assez spécial. J'espère que la deuxième partie du permis sera plus.
Oh là là, oh, imaginez, vous réussissez votre permis dans la vraie vie et vous avez tous les gens. Ouais, vas-y, yes, t'es trop fort, mec, t'es trop fort. Et donc là, on peut l'utiliser en mode arcade. Bon, bah c'est parfait. Donc on a débloqué une voiture. On va passer à la suite, du coup. On va faire le troisième. Et je crois que c'était une Nissan Cube. Alors j'ai vu ça en fond d'écran, mais je sais pas si c'est ça. Salomé entre les cônes du Fuji International Speedway. Allez, c'est parti. Ah non, c'est une Civic. Bah non, une Jazz, on a Jazz. Bienvenue à la leçon 2. Au cours de cette leçon sur le Fuji International Speedway, vous allez vous familiariser avec un des aspects les plus importants du pilotage, le braquage. Des cônes de signalisation sont placés sur la dernière ligne droite. Passez d'une voie à l'autre sans toucher les cônes. Surveillez la force de vos coups de volant. Essayez de sentir comment la voiture réagit à un léger coup de volant. La maîtrise de la sensibilité du braquage sera fondamentale pour assimiler des techniques de course plus avancées. La voiture utilisée pour cette leçon n'est pas très puissante, mais les techniques de base s'appliquent à tous les véhicules. N'oubliez pas de braquer lentement et progressivement. Bon courage pour cette leçon. Merci. Alors, on va faire du coup ce petit slalom. C'est marrant, on a Jazz. Bon, c'est la première version de Honda Jazz. Hein. Il y avait plus 3 ou plus 3 ou 4 versions. J'ai failli avoir cette voiture d'ailleurs à un moment. D'ailleurs, ça m'a peut-être pas déplu parce que c'est une bonne petite voiture, hein, mine de rien. Alors, on va jouer. Donc, c'est parti. Et ça patine sec. Hein. Oh, bah, du coup, regardez là, cette vue elle est parfaite. Ok, donc en fait elle est bridée en première. Je pensais que c'était un bug, j'avais mis en manuel, mais en fait pas du tout. Donc on a réussi. Bon bah parfait, on pourra passer à la suite, on va faire quitter. Bon moi c'était rapide, hein. Celui-là totalement à l'inverse de l'autre. Je ne m'en lasse pas. Allez, ok, on passe à la suite. En plus, je crois qu'on peut pas passer. Hein. J'ai fait la croix, ça a rien fait. Oui, c'est là où je pensais en fait avoir une Nissan Cube, mais en fait non, c'est juste le fond d'écran. Immobilisez votre voiture dans la zone d'arrêt. C'est parti. Et c'est là où je suis. Enfin, en tout cas, dans le cadre, j'avais vraiment compris que le maniement avait bien évolué par rapport aux 3. C'était les points de freinage. On va faire ça. Bienvenue à la leçon 3. Au cours de cette leçon, vous allez apprendre à freiner efficacement. Cette technique est aussi importante que celle qui consiste à braquer progressivement. Dans les jeux de course, de nombreux joueurs essaient tout simplement d'aller aussi vite que possible sans jamais penser à freiner. Cette leçon vous offre l'occasion d'utiliser ce frein si souvent négligé. Accélérez rapidement au démarrage et dirigez-vous vers l'arrivée. À l'arrivée, vous verrez une zone indiquant la position requise à l'arrêt. Fixez cette zone. Et freinez rapidement et brutalement pour que la voiture stoppe immédiatement. Ne vous inquiétez pas, la première fois vous dépasserez certainement la zone. La fois suivante, freinez juste un peu plus tôt. Mais ne freinez pas trop tôt, sinon vous vous arrêterez avant même d'avoir atteint la zone. Une accélération à fond suivie d'un brusque freinage nécessite une certaine coordination. Pour réussir facilement cette leçon, prenez des repères dans l'environnement quand vous freinez. À chaque tentative, vous pourrez ajuster le moment du freinage afin de parvenir à la précision nécessaire. Le plus important est de se souvenir de l'endroit où vous avez commencé à freiner. Bon courage pour votre leçon. Merci Catherine. J'appellerai Catherine, hein, désolé. Alors, oui, du coup on va démarrer. Avec une petite Nissan Micra. Aïe aïe aïe. Fabé si tu nous regardes. Alors, c'est parti. Je vais garder cette vue. Je suis désolé, mais cette vue pour moi est la meilleure vue. Il peut y avoir une meilleure vue, quoi. Enfin, à part la vue cockpit, il peut pas y avoir une meilleure ou la vue capot. Là, on est vraiment à la meilleure vue. Donc, là, l'occasion de découvrir le circuit de Fuji aussi. Speedway, comme elle dit si bien. Alors, j'essaie de regarder le moment où elle freinait en km/h, mais finalement. Ah là là, je m'y attendais un peu quand même. Donc là typiquement je pense que y a peut-être du temps à gagner aussi si on accélère moins comme un bourrin dès le début. Et si on freine... Enfin, si on passe la vitesse pour éviter que ça patine trop.
Je pense qu'il y a moyen de gagner un peu de temps. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Bon, comme vous pouvez voir, le cockpit on voit pas, hein, on voit un petit peu les sièges, pilotes à l'intérieur, mais ça s'arrête là. Je sais pas si on va avoir des voitures décapotables, parce que ce qui était arrivé dans le 4, c'est qu'on pouvait enfin avoir des voitures avec les pilotes à l'intérieur. Non mais c'est... C'est une blague. C'est une blague. On va parler d'ailleurs de l'interface du jeu. On peut voir que c'est encore un mix hein, entre Gran Turismo 3 et Gran Turismo 4. Ils ont changé l'interface hein, dans le 4. On a plus ces écrans orangés avec le rouge comme ça. Ils ont mis un affichage qui était un peu plus grisé, un peu plus simpliste en fait, j'ai envie de dire, même s'il y a autant d'informations affichées. Alors après c'est une sorte de goût. Moi je préférais l'interface de Gran Turismo de l'époque, mais bon. Voilà, après il y en a qui vont préférer et je n'en tiendrai pas rigueur, évidemment. Bon bah là c'est bon. Ah quand même. Et en plus on a eu l'or. Ouais. Allez du coup on va quitter, on va passer à la suite. Donc là en fait typiquement on passe un permis, hein. Enfin vous aurez compris. Je pense qu'après il y a d'autres types d'épreuves. Alors, si j'appuie sur... Ah si, c'est bon. Faut vraiment que je tapote plusieurs fois. Et on peut passer à la suite. Ok. On va faire l'étape 4. Alors, évidemment, on va pas tout faire. Hein. On va pas passer... on va pas finir le jeu. Enfin, si le jeu se finit en une heure, par contre, ça serait une grosse déception. Parce que c'était pas un jeu à 10€, quand même, je le rappelle. Je crois qu'il valait environ 30 ou 40€. Même 50. J'espère que le contenu est présent. Et ça fait un petit peu peur, à ce niveau-là, d'ailleurs. Limite de vitesse dans les virages. Trouver le bon compromis entre vitesse et braquage. Appuyez sur la touche Tart. Bienvenue à la leçon 4. Cette leçon se déroule au deuxième virage du Beginner's Course du Driving Park. Bon, on va avancer un petit peu parce que je veux gagner un peu de temps sur la vidéo quand même pour faire la suite. Donc, eh ben voilà, faut prendre un virage hein, tout simplement. Alors c'est intéressant parce qu'il y a des autres logos Toyota devant, mais derrière c'est l'autre logo Toyota. Faut savoir que au Japon, en fait, les marques n'ont pas forcément les mêmes logos. En Europe. Alors évidemment il aurait fallu suivre la partie grise pour dire... Suivant le profil on dirait une classe A sur le vent. Vraiment on dirait une classe A quoi. Oui je disais au Japon ils n'ont pas forcément les mêmes logos. Vous avez l'impression si vous y allez d'avoir des voitures mais qu'est-ce que c'est que cette marque? Mais en fait c'est juste des Toyota ou pas forcément des Honda, hein, mais c'est des marques un petit peu différentes. Voilà, j'ai fait ce qu'il m'a dit, j'ai ralenti donc sur la partage en portion en gris. Et du coup ça m'a permis de faire l'argent. On va passer à la suite, voilà. Voilà, donc vous faites pas avoir, vous allez voir des marques qui vous semblent des nouveaux constructeurs, en fait pas du tout. J'ai gagné une IST. Et voilà, mon arcade, ok, on commence à comprendre. Alors j'espère qu'il y aurait une spéciale un peu différente. Là on est au 2.5. Je regarde un petit peu la suite si je me fie aux icônes. J'ai l'impression que c'est un peu pareil après. Mais regardez, on va finir la partie verte déjà, voir ce qui se passe à la fin. Mais apparemment, on a 5 trucs à faire. À la partie 5, je sais pas ce que c'est, on va voir ce que ça donne. Et regardez, là on a par contre une voiture qui normalement est décapotable. Donc logiquement. Bienvenue à la leçon. Logiquement, non. En fait, ils l'ont pas décapoté. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Je voulais vous montrer une voiture. On voyait le pilote à l'intérieur. Bon c'est parti, donc deux tours du beginner piste, enfin du beginner course pardon, sans sortir de la piste, avec une petite Mazda MX-5. C'est vraiment, mais alors vraiment les mêmes sons que Gran Turismo 1, 2, 3, enfin on a vraiment pas évolué à ce niveau là. En tout cas ça commence à faire du bien dans la voiture qui va plus vite. Ça c'est sûr. Alors là par exemple on a l'affichage des flèches hein, en bleu.
Ça va, il va pas considérer comme sorti. Ça a failli être le cas. Hein. Alors je suis pas vraiment bien sur la trajectoire, hein, vous l'avez compris, je vais forcément une trajectoire très bonne. Mais bon, j'espère que ça suffira. On va essayer de ressortir bien. Voilà. Et on a fait l'argent du premier coup, c'est pas mal. C'est pas mal. Limite, j'ai plus galéré sur le premier, où j'ai fait le bronze direct, que sur la suite. Donc on va faire quitter. Ouais, on va passer les phases avec la femme à chaque fois, parce que bon, on peut comprendre, on sait lire. Et là, on a gagné du coup la MI5. Ah, il faut plus au triangle en fait, je viens de comprendre. Ah, la suivante, donc on va voir ce que c'est. Base de conduite sur Terre, apprenez à conduire sur la Terre, participer. Et on va voir du coup, bon, on va découvrir du coup le pilotage sur la Terre. On l'a déjà vu avant, puisqu'on a fait bah, justement ce circuit avant. Bienvenue à la leçon 6. Au cours de cette leçon... Bon, on va repasser. Et on va du coup avec une Altower, que ça fait longtemps que j'ai pas eu cette voiture. Je crois qu'elle a même pas été conservée dans le 4. Je suis pas sûr, je sais plus. Et 2 minutes à faire. Ouh là là, alors à mon avis, 2 minutes à faire. Ah bah je coupe le virage. Hein. Il y a 5 tours. Ok. J'imagine que si je touche un peu trop fort, bon bah c'est l'élimination. En tout cas, elle est marrante à conduire dans ces conditions, là, l'alto. Ça me fait penser que quand on fera Gran Turismo 4 un jour en live, attendez-vous à des vidéos un peu spéciales par rapport à ça, puisque c'est un jeu qui est très fourni en voiture tout le monde. Et je pense qu'il y aura peut-être un format un peu spécifique dans certains cas par rapport au jeu. Qui casserait un petit peu la routine de simplement enchaîner les courses et le mode carrière. Là, je l'ai pris un peu plus à l'extérieur. Elle manque tellement de puissance que je peux accélérer à fond tranquillement. Bon, évidemment, il va falloir que je m'y prenne à plusieurs fois pour faire l'or. Enfin, je pense que ça va être compliqué d'avoir l'or du premier coup. Faut pas déconner. Si j'ai le bronze, je serais content. Allez, encore 2 tours à faire. Là, j'ai même pas freiné. J'ai juste laissé glisser. Par contre, il n'y a pas de musique autour. Alors, je sais que bon, il n'y en a pas vraiment dans Gran Turismo. Mais des fois, ça rend le jeu ultra plat. Alors, ça, c'est une portion qui a été faite vraiment pour le mode permis. Hein. Ça, vous l'avez nulle part. Si vous faites par exemple la version finale du jeu, vous pourrez jamais rouler sur ce tracé. Hein. Ça a vraiment été fait exprès. Alors, on va voir ce qu'on va peut-être remporter à la fin. Je dis peut-être parce que je ne connais pas ce qui est débloquable, tout ça. Bon, on aura le tower, j'imagine, mais après, est-ce qu'on aura autre chose derrière? J'ai fait 2,35. Oh my god, j'ai pris un vent. Hein. Mais alors, vraiment, quoi, j'ai pris. Ouais, j'ai pris 6 secondes dans la tronche, quoi. Alors, on va quitter. On va faire quitter. Voilà, du coup on va débloquer l'Altowork. Alors on va passer pour... Du coup j'espère qu'on va passer dans un mode de jeu différent puisqu'on a réussi toute la partie verte. Et du coup félicitations, on a réussi tout le green. Vous avez terminé la portion verte. Maintenant essayez la portion orange. Alors on a réussi la portion verte. On va attendre qu'il est terminé. Du coup on a ça. Mais est-ce qu'elle nous débloque quelque chose? Alors attendez, je vais juste quand même regarder ça. Donc ça c'est le panneau qu'on a eu tout à l'heure. Voilà. Vous avez vu, on a le coffee, hein. On a trois zones de coffee. Oui, j'appelle ça le coffee, c'est spécial, un petit peu différent, enfin des modes un peu différents.
Je vais vérifier quelque chose. On va sortir, on va aller dans le menu mode arcade. Et ce que je vous propose, c'est de faire une course avec d'autres voitures. On va faire jouer. On va prendre par exemple la New York qu'on n'avait pas vue. On va prendre une voiture. Et normalement, elles sont débloquées. Enfin, il y a des tenteurs en plus qui sont débloqués. Voilà, le Tower qu'on l'a. On a la Mazda MX-5. Mais je vous prends une autre voiture quand même, tant qu'à faire. On va prendre une... Ah, j'ai envie de prendre une voiture puissante quand même, tant qu'à faire. Bah écoute, on va prendre la 240ZG. On va la prendre dans sa couleur de base. Non, il va se mettre en mode sport, tiens, pourquoi pas. On va voir la différence. Et normalement, il me semble qu'on doit avoir des voitures contre nous. Puisque j'ai configuré... Voilà, donc il y en a 6. Et on va avoir une Bluebird, une 1300 coupée, une Celica. Alors c'est bien, ils se sont mis dans le thème. Ils ont mis des anciennes voitures comme nous. Donc ça, c'est bien. Et c'est parti pour découvrir ce circuit de New York. Pareil, hein, très très bien réalisé pour l'époque. Et c'est donc parti. Regardez-moi le niveau de détail quand même. Je rappelle quand même qu'on est sur PS2. Bon, on est en 2004, hein, la console est bien maîtrisée. Mais quand même, alors on voit un petit peu de... Comment dire ? Il y a un petit peu de clipping, hein. On voit certaines textures qui s'affichent au fur et à mesure. Mais ça reste quand même super bien fait. Regardez, d'ailleurs, on a le Nasdaq. Voilà, juste derrière. On est vraiment en plein New York. Alors, c'est pas le genre de circuit que j'apprécie dans Gran Turismo. Le circuit en ville, j'ai trouvé ça toujours assez intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est surtout par rapport à la physique du jeu et des chocs en fait sur les murs qui sont en fait tellement mal faits que pour moi ça a coupé l'immersion totalement. Du coup, je voyais pas spécialement l'intérêt de faire le circuit en ville. Par exemple, Monaco dans Gran Turismo 3 est franchement dégueulasse quoi. Enfin, c'est des circuits qui sont pas très intéressants à faire. Alors vous allez me dire, oui, il y a des circuits intéressants en ville quand même, qui sont plutôt bien faits. Certes, hein, ils sont pas mal faits en soi, hein, les trajets sont... Enfin, les découpes du circuit sont plutôt bien réussies. Mais je sais pas, il y a un truc que j'aime pas trop, avec Gran Turismo dans ce type de jeu. Et là, on le remet avant. Je rappelle qu'on est en mode moyen. Alors, peut-être que j'ai pris une voiture qui était trop rapide par rapport à eux. Mais bon. Alors toujours le défaut classique des Gran Turismo qui a encore duré après ça. Voilà, c'est le bruit des dérapages qui est quand même vraiment ridicule en fait. C'était sympa à l'époque, c'était moderne à l'époque, mais maintenant voilà, c'est bon, c'est déjà à vire pas mal. Et l'IA qui n'a pas beaucoup bougé non plus, toujours un peu sur un rail, ça c'est toujours dommage. Ils ont mis longtemps avant de l'améliorer. Là, on va finir la course. Il y a 3 tours à faire, on n'a même pas fini un seul tour. Oh mon dieu. Bon bah écoutez, je vous propose, on va faire pause, on va faire quitter. Et je vais vous montrer du coup un autre circuit. Et on va faire le circuit de Cittadella, je sais pas comment on prononce. Et on va se mettre. Alors normalement il n'y a qu'une voiture contre nous, hein. Cette fois-ci on n'est pas. On n'est pas 5 sur la piste, enfin 6. Parce que c'est un circuit qui est trop réduit, il me semble. Alors je sais pas, peut-être que je vais me tromper, mais normalement c'est le cas. On a une Silvia, on a une Skyline. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Tiens, une Integra Tipper, pourquoi pas. Une Skyline, non. Ouais, peut-être prendre une... Non, une Legacy Wagon, peut-être pas exagérer. Bah écoutez, on va prendre une Integra Tipper. Bon, on va la prendre en rouge, histoire de varier un peu. On va se mettre en sport, voilà. Et on va voir contre qui on va rouler. Je sais que de la version 4, en tout cas, on était toujours que contre une voiture. Et bah là, en fait, on va être tout seul. C'est la déception, quoi. Voilà, donc en fait, non. On n'aura même pas de voiture contre nous, on sera tout seul. Ouais, c'est parti.
Et pareil, un circuit très très bien réalisé, vraiment très très propre. À travers la petite ville italienne, j'imagine étant Sicile, mais bon, après vous pourrez corriger si je me trompe. Alors je me souviens vraiment pas du circuit, c'est pas le genre de tracé que j'ai fait souvent, enfin je l'ai fait souvent en Gran Turismo 4, mais ça fait tellement longtemps que j'ai aucun souvenir. Bon, évidemment on peut voir le tracé sur le côté, hein. Ça nous aidera un petit peu. Alors pour celui-là, on va se mettre en vue comme ça, tout simplement, pour apprécier un petit peu. Pas de musique, hein, toujours. Si je fais start, on n'a pas de choix, hein. Je peux pas avoir le son. Là on est sur des pavés par exemple. Et là regardez, c'est la partie la plus compliquée, on entre vraiment voilà, dans les petites portions. Et ça fait penser un petit peu au, rallye, hein. Il y a certains rallyes, vrais rallyes, où les voitures passent vraiment dans des passages ultra fins. Là encore, c'est super, c'est pas étroit, hein, comparé à ce qu'on peut avoir en rallye des fois. Je sais plus à quel endroit ça se trouve, mais il y a une portion en rallye où les mecs qui passent, c'est la largeur d'une voiture. C'est la largeur d'une voiture. C'est-à-dire, en gros, il y a. Il reste 5 cm sur un côté, 5 cm de l'autre côté. Et là, ah, je m'en serais douté. On a pris une pénalité de 10 secondes. Parce qu'on s'est pris le, mur, bon. Et oui, quand la pénalité de 10 secondes, c'est ça, c'est qu'en fait, on est bridé en km/h. Ça, c'est pareil, hein. Petite nouveauté aussi par rapport au, 3, les pénalités en temps quand on tape quelqu'un. On a la voiture qui est ralentie pendant un moment. J'ai oublié d'en parler justement, donc voilà, autre nouveauté. Et toujours ce spectateur super bien fait, bon, pour l'époque. On va remettre la vue, regardez quand même la remontée. C'est quand même, là on est avec une voiture encore qui est assez moyenne en performance, mais imaginez si vous avez un monstre de puissance, la différence quoi. C'est vraiment vraiment impressionnant, on peut aller super vite. Par exemple ce passage là vous allez voir, alors je suis le prendre un peu vite. Voilà, il y a un pif paf gauche droite à un moment, vous allez voir, c'est quand même assez impressionnant. Je crois que c'est ici. Ah voilà, ici si on le prend bien, hop. Des fois ça fait penser un petit peu à l'île de Man pour certaines, configurations. Et regardez au fond, bon c'est un bitmap, hein. Regardez au fond de la, du circuit, même les bitmaps, même le terrain derrière est quand même assez propre, assez bien fait. On pourrait s'y croire, hein. Si j'arrête la, si j'enlève l'HUD, que je montre un petit peu l'arrière, on pourrait presque croire que c'est même pas un jeu. On va faire quitter et on va revenir en arrière. Écoutez, ce que je vous propose, on va s'arrêter là. Hein. Je vais vous montrer une dernière partie spéciale en mode orange, la partie orange. Donc on va faire mon entraînement et on va faire le suivant. Les pièges du Tsukuba circuit. Bon, elle va nous parler, je passe. Donc c'est parti, on a un affaire tour en 2 minutes 52, deux tours à faire sur le circuit de Tsukuba avec cette magnifique voiture. Regardez-moi ça, qu'est-ce qu'elle est belle. D'ailleurs ça fait penser à un truc, au Japon, les voitures comme ça. Alors, pas forcément, non, cette voiture-là, elle est hors standard Japon. Vous savez qu'au Japon, il y a beaucoup de voitures qui ont le moteur en fait au central. Et du coup, au niveau du capot, c'est très très proche de, l'habitacle, donc très très proche de, l'utilisateur, du conducteur. Et apparemment, il y aurait une loi qui stipulerait qu'au Japon, ce genre de véhicule, pensez par exemple aux petites camionnettes avec la cabine un peu haute. L'écart entre le conducteur et le mur, par exemple, s'il y a un choc, il est très faible. Hein. On a peut-être, je sais pas, on a peut-être 80 cm quoi, ou 1 mètre même pas. Et là, ça sera interdit en fait. Les prochaines voitures japonaises en fait n'auraient plus ce profil là. Ils auraient un profil avec un capot à l'avant qui serait beaucoup plus profond. Ce qui ferait qu'en cas de choc frontal, les voitures seraient moins dangereuses. Puisqu'il y a l'effet de, l'effet de ralentissement avec la compression de la carrosserie. Donc là on va finir notre premier tour. Alors je pense pas en faire un tour très bon, hein, honnêtement.
Alors, par rapport au... On va terminer sur les graphismes. Bon, vous l'avez compris, belle amélioration par rapport au 3. C'est pas non plus une amélioration exceptionnelle, hein, mais on sent que c'est un peu plus précis. On sent que les textures sont un peu plus... Bah, sont un peu mieux. La colorimétrie, pareil, c'est plus réaliste. J'en ai parlé tout à l'heure. Par contre, on a toujours cet effet de fourmillement qui est assez élevé. Et ce que l'on ne voit pas dans Gran Turismo Prologue aussi, c'est ces modes photo qui étaient mis en place d'ailleurs dans le 4, qui permet de prendre des photos sur la console et qui permettait même de l'enregistrer sur une clé USB. Je vous rappelle que la PS2 avait des ports, les ports USB 1, pas USB 2, donc c'était assez lent. Mais avec ce port USB, on pouvait mettre une clé USB et enregistrer ses photos. D'ailleurs, je crois avoir, quand j'étais gamin, avoir enregistré les photos de Gran Turismo 4 grâce à ça. Ça permettait de le faire. Ça permet aussi d'ailleurs à l'heure actuelle d'utiliser des disques durs qui vont mieux connecter en réseau qu'avec le port USB 1. Mais par exemple, alors là je parle de piratage pur et simple, mais en gros, vous pouvez lire des jeux à travers le port USB si vous branchez une clé USB ou un disque dur. Même si c'était très lent, hein. Par exemple j'avais ici le jeu Mark of Kree. Bon bah les chargements étaient très longs, hein. Entre chaque fois de chargement, ça, le jeu bloquait un petit peu. Il fallait attendre que le truc soit chargé et après on pouvait jouer. Et donc, Gran Turismo 4 va prévoir ça, le fait de pouvoir faire des screenshots. Fini avec l'argent, c'est pas mal. Et du coup, c'était pas mal. Voilà, on pouvait faire ça. Et surtout le mode 1080. Alors là, il n'y est pas. Hein. On avait un mode 1080 dans Gran Turismo 4, j'ai pas vu l'option. Ah, tout le monde applaudit, c'est génial, on est super content. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Vous aurez compris, donc c'est un jeu qui nous met en bouche, hein, par rapport à la sortie du futur Gran Turismo. Il y en a eu après d'autres, hein. Il y a eu Prologue, Gran Turismo 5 Prologue aussi, je crois qu'il y a eu. Même s'il y avait Gran Turismo HD aussi qui était sur PS3, on avait un seul circuit et quelques voitures. D'ailleurs, un jour on y jouera. On a quoi d'autre après? On a. Là, c'est quoi? C'est du. Regardez ce que c'est ça. Technique de virage sur le circuit Tsukuba. Bon, vous aurez compris, c'est plein de. Bah, c'est des épreuves de permis en fait, hein, que vous prenez. Alors, est-ce que ça vaut le coup? Je veux dire, à notre époque, vu que ça coûte plus rien, oui, ça peut valoir le coup. Mais franchement, pour l'époque, ce prologue, avec le recul, je suis quand même plutôt content de ne pas l'avoir acheté parce que ça manque cruellement de choses. On débloque pas mal de voitures, c'est sympa. Mais par exemple, j'ai beaucoup critiqué l'épisode PSP parce que c'est pas un vrai Gran Turismo. Mais l'épisode PSP est quand même 1000 fois plus fourni. Là, on est vraiment, vraiment très, très limité. Il n'y a pas grand-chose à faire, franchement. C'est un petit peu dommage. Alors, il y a des trucs, j'aurais bien voulu vous savoir ce que c'est. Par exemple, si vous passez par rapport au carré, le dixième carré, donc le dernier. Un petit peu en bas, tout en bas, vous avez le point d'exclamation et au-dessus vous avez un truc, je sais pas ce que c'est. J'aurais bien voulu voir ce que c'est, mais il aura fallu faire tout pour le découvrir. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde!